comme il est bon de vous retrouver, mes petites colombes. J'avais tellement hâte de venir à nouveau gazouiller avec vous sur ce blog qui nous est si cher. J'espère que vous avez passé de belles vacances d'été et que vous êtes tous prêts à rempiler pour une nouvelle année à l'Excellence, la plus grande école de cuisine gastronomique du pays. Au programme ? De la cuisine, bien sûr, avec un soupçon de drama et une pincée de problème, le tout saupoudré de potins que vous viendrez me colporter et dont je me ferai une joie de diffuser ici. En parlant de ragots, il semblerait que Morgan Graham et Paige Cooper aient rompu pendant les vacances. Des petites colombes ont également rapporté que Paige et Sydney n'ont pas été vus ensemble. L'éloignement des deux meilleurs amis aurait-il quelque chose à voir avec le rapprochement soudain de Morgan et Sydney ? Mes chers cuisiniers en herbe, je m'attendais à mieux qu'un énième triangle amoureux pour commencer cette nouvelle année. Ouvrez bien vos yeux, nous avons toute une classe de viande fraîche à découvrir et je suis sûre que ces adorables petits oisillons cachent des secrets que j'ai hâte de partager avec vous. Bienvenue au nouveau et bonne rentrée à l'excellence, mes petites colombes. Volez vers la réussite et les potins. Bonjour mes chères premières années. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Je compte sur vous pour être exemplaire et faire honneur à l'excellence. Aucun écart de conduite ne sera toléré sous peine d'exclusion. Il en va de même évidemment pour vos notes. Si elles sont trop basses, vous sautez. Vous n'êtes pas là pour faire chuter le niveau de cette école et croyez-moi, j'y veillerai au grain. J'imagine que vous n'avez pas de questions. Bien, alors vous avez la journée pour vous familiariser avec les lieux. Et demain, on se met au boulot. Bonne rentrée à tous. Salut. Oh, bonjour. C'est Flora, c'est ça? Je me souviens de toi au concours. Quelle mémoire! Ouais, c'est Flora, enchantée. Et toi, c'est comment? Wilma. Alors, qu'est-ce que t'en penses de notre chambre? Un vrai palace. Putain, comment ça fait bizarre d'être ici? Oh que oui, j'en rêve depuis des années, j'ai du mal à y croire. Pareil. T'as repéré des gens qui ont l'air sympas dans notre promo? Moi, perso, j'en ai carrément vu un qui m'a fusillé du regard. Salut, moi c'est Asha. Flora. Wilma. Fusillé du regard, carrément? C'est quoi ce mec creepy, sérieux? Je suis presque sûre que je lui ai volé la première place au concours. Non, l'ego doit piquer, battu par une fille, oulala. Va falloir qu'il s'habitue. Je suis prête à le battre de nouveau quand il veut. Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici? L'une de vous est censée être dans ma chambre. Oh, c'est moi. Daphné, c'est ça? T'as pas à traîner dans la chambre des autres. On n'est pas en colo, hein? Désolée, je savais pas que c'était interdit. Sérieux, c'était quoi ça? Vous la connaissez pas? C'est Daphné Byrne. Ah. Et oui, on se permet tout quand on a le plus grand chef au monde comme père. Va mieux falloir pour elle qu'elle redescende de quelques étages, hein. Ça vous dit on va voir un peu les jardins? On croisera sûrement d'autres premières années? Grave. Let's go! Hey, c'est Capande, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de l'Excellence, enfin. C'est très très drôle de penser que cette série, je l'ai écrite il y a un peu plus d'un an et que je l'avais mise de côté par faute de temps vu tous les autres let's play et histoires que j'avais en cours. Mais avec la perte de l'ordinateur, je me suis dit qu'il était temps de reprendre cette petite histoire et je ne pourrais être plus ravie parce que j'adore, franchement j'adore. Alors pour info, j'ai déjà écrit 3 saisons sur cette histoire, donc dites-vous bien que si jamais ça vous plaît, on est parti pour un long moment tous ensemble. Au passage, il y aura 6 épisodes par saison, donc en vrai, on n'est pas là pour un si long moment que ça. Ceci étant dit, j'espère que le petit machinima d'introduction vous a plu, et aujourd'hui, l'épisode va être un petit peu particulier parce que j'ai plein de choses à vous dire par rapport à cette histoire. Je voudrais vous présenter les personnages, les lieux, etc. Donc on va peut-être pas avoir tant de gameplay que ça, mais ne vous inquiétez pas, l'histoire va quand même avancer puisqu'il y a pas mal de petits machinima. Nous sommes donc dans la chambre des filles, elles vont aller visiter les jardins comme l'a suggéré Asha. Donc voici la petite chambre, alors je dis la chambre des filles,
dit, mais au final c'est la chambre de Flora et celui de Wilma là, donc voici à quoi ressemble leur petite chambre à l'excellence. Disons que là elles sont dans l'internat, c'est un bâtiment à part de l'école, vous allez le voir, et voici donc pour leur chambre. Et juste en face, de l'autre côté du couloir, on a la deuxième chambre des filles. Alors évidemment il n'y a pas que 4 filles dans la promo, mais nous on va suivre 4 filles, donc on imagine évidemment que le bâtiment est très grand, qu'il y a d'autres chambres avec d'autres élèves, mais nous on va se focus sur ces 4 filles là. Alors ici ça va être le lit de Daphné Byrne, et juste en face celui d'Asha. Oh, je l'ai pas attribué a priori, hop, voilà qui est mieux, celui d'Asha juste à côté. Ici nous sommes donc à l'internat, hein, comme je vous le disais, c'est une construction évidemment que j'ai trouvée dans la galerie. De base c'était une maison que j'ai modifiée du coup pour que ça ressemble un petit peu plus à un internat, enfin disons qu'il y ait une majorité de chambres etc. pour mes petits personnages. Donc ouais, je pense que d'extérieur on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus de pièces etc. et qu'il n'y a pas que 4 filles et 4 garçons. Donc oui, à droite, juste ici, c'est le coin des filles, elles ont leur salle de bain à cet endroit-ci. On a même un petit placard ici, peut être pratique pour un petit crac-crac par exemple. Et de l'autre côté, à gauche, c'est le coin des garçons qui ont également leur salle de bain. Ici, on a une première chambre avec le coin de Mano, et ici, du coup, ça va être Daeho. Je crois que j'ai pas attribué son lit, mais voilà, ça sera chose faite. Et pareil, on a un petit hall, un petit couloir avec l'autre chambre, et cette fois-ci, du coup, c'est Finlay, on peut l'appeler Fin entre nous, et puis Hamza. Alors évidemment, je vais vous présenter les personnages dans le CUS, ne vous inquiétez pas. Ici, ils ont un petit coin avec des ordinateurs et tout, ça peut être plutôt pratique pour étudier. Et puis là, on a un rez-de-chaussée où du coup, on a une cuisine. Alors j'imagine qu'il aurait peut-être mieux fallu faire un self ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop comment ça se passe honnêtement dans les internats de cuisine. En tout cas, dans les Sims, ce sera plus pratique comme ça, c'est clair. La salle pour dîner tous ensemble, même si je pense qu'ils n'iront jamais tous ensemble. On a une autre toilette, salle de bain, salle d'eau même. De ce côté-ci, on a une chambre. Alors j'aime bien penser que c'est la chambre du gardien de l'internat. On dit pas gardien, comment on dit? Superviseur. Je sais pas. Bon, il y a quelqu'un évidemment, il y a un adulte qui les surveille un petit peu. Et puis si on a le salon où ils peuvent se réunir tous ensemble encore une fois. Et puis on a des bibliothèques ici, et du coup par exemple là on a Mano qui est en train d'étudier je pense. Voilà, il lit pâtisserie volume 1 mélangé. Et puis voilà, ici on a l'entrée, qui c'est que ça? Ah, c'est Ingrid, c'est la petite amie de Mano, elle vient le voir a priori. Alors c'est vraiment une construction super jolie. Alors je crois pas que je l'ai enregistrée dans ma bibliothèque, mais je sais que son nom c'est Italian Villa, donc on espère qu'on va retrouver en tapant comme ça. Ah mais regardez, c'est trop nul cette galerie maintenant. Moi je me disais, il y a beaucoup quand même d'Italian Villa qui ressemblent pas à des Italian Villa. Mais non, mais d'accord, regardez les noms, c'est des random noms, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, Italian Villa. Depuis la mise à jour de la galerie, c'est encore pire qu'avant quoi. Tu as même pas ce que tu tapes. Je veux pas une Sulani Beach Villa, je veux une Italian Villa, ok? Ça va être l'enfer pour retrouver des trucs, oh là là. Je vais essayer quand même, hein, et puis je vous mettrai le nom en description, donc n'hésitez pas à checker ça. Et on se retrouve avec de jolis jardins où on peut traîner un petit peu. Ils ont même une piscine, franchement, c'est une école de luxe, hein, on se moque pas d'eux. Et de ce côté-ci du jardin, je crois qu'il y a quelques premières années, on a Finlay juste là, Hamza et Daeho. Mano, lui, est complètement dans son coin, hein, comme vous l'avez vu. Ça s'explique un petit peu, puisque Mano est un deuxième année qui a repiqué. Et comme vous pouvez le voir à son nom de famille, Mano Byrne est le frère de Daphné, donc lui aussi, il a hérité de ce nom de famille et de cette réputation. On a l'impression que les Byrne ne sont pas là parce qu'ils sont talentueux, mais là parce que, évidemment, leur père est un grand chef, très réputé, que tout le monde respecte et que personne n'a envie de fâcher. Donc forcément, ses enfants sont acceptés à la plus grande école de cuisine. Même si honnêtement, Mano, il a repiqué pour une bonne raison, il n'est pas à fond dans la cuisine, il fait juste ça pour faire plaisir à ses parents et ça se ressent quoi. Je pense que sa sœur Daphné, qui elle a vraiment un talent ouf pour la cuisine, a d'ailleurs de meilleures compétences que lui. Si je dis pas de bêtises, elle est au niveau 5 à peu près partout par rapport à la cuisine, en tout cas cuisine gastronomique. Alors que Mano est au niveau 5 aussi, ok, mais il devrait être au plus haut niveau puisqu'il a déjà passé une année à l'excellence. Donc ça prouve bien que sa sœur est beaucoup plus douée et beaucoup plus déterminée à réussir. Ceci étant dit, je vais peut-être vous parler un petit peu plus des personnages en les voyant d'un petit peu plus près dans le CUS. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit pour chaque personnage pour que vous puissiez un petit peu apprendre à les connaître. Je vais pas y aller par quatre chemins. Finn est un petit con arrogant qu'on préfère ne pas avoir comme binôme en classe, ni comme colocataire à l'internat. Bien sûr, tout ça n'est qu'un mécanisme de défense. Finlay Archibald Rusty est né et a grandi à Bridgechester, dans une demeure colossale où la petite cuillère en argent ne faisait même pas partie de la belle argenterie. Pourri gâté, mais très délaissé par ses parents et le souffre-douleur de ses grands frères, il passe beaucoup de temps en cuisine
avec Rita, la cuisinière de l'immense demeure qui devient presque aussi importante, si ce n'est plus, que sa propre famille. Lors de son décès il y a quelques années des suites d'un terrible cancer, il décide de se lancer dans la cuisine pour lui rendre hommage à sa manière. Ses parents ne voient pas ça d'un très bon œil, surtout son père, leur fils. Simple cuisinier. Et puis quoi encore? Il veut pas aller flipper des burgers chez McDo Sims? Finn leur assure que la cuisine nécessite beaucoup de rigueur, qu'il est doué et qu'il peut devenir un excellent chef. La suite, vous la devinez, son père accepte à la condition qu'il étudie dans la plus grande école de cuisine du pays, l'Excellence, où le niveau est plus qu'élevé. Il sait, tout du moins il espère, que Finlay va rater le concours, mais contre toute attente, il obtient sa place dans l'école. De justesse, certes, mais au moins il est pris et il a pu faire ses preuves auprès de son père. Et toc. À moins que sa mère ait glissé un petit mot et un gros chèque à l'école pour le faire rentrer coûte que coûte. Ensuite, nous avons Wilma Brooks, qui est vraiment tout à l'opposé de Finn en termes d'enfance et d'éducation, quoi. Wilma Cecilia Brooks, elle est née de 5 enfants. Originaire de San Michuno, elle a grandi avec une mère célibataire, prête à se battre jusqu'au bout pour donner le meilleur à ses enfants. Le partage, la bienveillance, l'altruisme sont des valeurs chères à Wilma, qui fera toujours passer les autres avant elle-même. Mais elle sait ce qu'elle veut et elle n'en démord jamais. Par exemple, elle a toujours été passionnée de cuisine. Petite, elle préparait à manger à ses frères et sœurs en rentrant de l'école, quand leur mère enchaînait son deuxième boulot. De simples pâtes d'abord, puis petit à petit, elle complexifiait les recettes. À l'âge de 12 ans, elle savait déjà qu'elle voulait partir à Tartosa pour étudier à l'Excellence. Bien sûr, elle était prête à bosser d'arrache-pied pour réussir le concours, là n'était pas le souci. Le problème résidait dans le prix exorbitant d'une année à l'excès. C'est ridicule, tu vas payer ton diplôme, ça vaut rien. Trouve un travail en ville et aide ta mère plutôt, lui disait toujours son oncle. Alors Wilma prit un boulot en ville pour aider sa mère. Mais l'excès lui trottait toujours dans la tête. Quand elle vit qu'une compétition de cuisine en ville allait avoir lieu, et que le premier lot était une bourse pour l'excès, à condition de réussir le concours bien sûr, elle comprit que ce n'était pas une lubie, pas un rêve inatteignable, mais que c'était sa destinée, et que la vie mettait sur son chemin un nouveau signe vers lequel elle devait foncer. Elle remporta la compétition de cuisine sans aucun souci. Elle avait bossé d'arrache-pied pour ça. Le concours de l'excellence par contre, fut semé d'embûches. Les lacunes de Wilma sont indéniables. Autodidacte avec quelques difficultés à suivre une recette, Wilma y va généralement au feeling, et son aversion pour la pâtisserie lui aurait presque fait échouer le concours. Heureusement, son talent indéniable lui a sauvé la mise, mais elle sait qu'elle va devoir bosser plus dur que les autres si elle veut obtenir son diplôme. Et surtout, s'améliorer en pâtisserie. Wilma va partager sa chambre à l'internat avec Flora Lindstrom, une jeune femme haute en couleurs malgré le manque de couleurs dans sa garde-robe. Cette jolie fleur est née et a grandi à Enfernant-Bankley, dans la ferme de ses grands-parents. Sa mère, qui avait 17 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de Flora, a fui juste après l'accouchement, laissant le nouveau-né à ses parents, qui prirent bien soin d'elle. Sa mamie lui a transmis le goût de la cuisine. Ses moments passés ensemble autour de la préparation d'un bon petit plat sont les plus heureux de son enfance. Alors qu'elle avait 14 ans, Flora commence à filer un mauvais coton. L'abandon de sa mère lui pesait beaucoup et elle lui en voulait énormément. De l'avoir laissée certes, mais surtout d'avoir tourné le dos à ses parents, ces personnes adorables qui méritent tout l'amour du monde. Une descente aux enfers a commencé pour Flora, qui a réussi à remonter la pente grâce à ses grands-parents, mais aussi grâce à la cuisine. Flora réussit le concours de l'excellence sans aucune difficulté. Par contre, elle avait renoncé à rentrer dans l'école à cause du prix. Elle voulait surtout se prouver qu'elle en était capable, qu'elle avait le niveau, et c'est tout ce qui comptait. Mais papy et mamie trouvaient que c'était du gâchis de passer à côté d'une telle opportunité, et ils ont vendu leur ferme pour lui payer la scolarité de ses rêves. Ils louent à présent une toute petite maison, toujours à Enfernant-Bankley, et profitent de leur retraite en tricotant et en pêchant. Ensuite, nous avons Asha Kumari, et mon petit doigt me dit qu'elle devrait bien s'entendre avec Flora. Asha est très secrète et si introvertie qu'il est difficile de savoir ce qui se passe dans sa vie ou comment elle en est arrivée à l'excellence, mais une chose est sûre, c'est la meilleure de sa promo. Première au concours d'entrée, Asha est une bosseuse et très organisée. Elle a un plan sur les 10 prochaines années et celui-ci est composé des points suivants. Obtenir son diplôme, haut la main de préférence bien sûr, ouvrir un restaurant, avoir au minimum 2 étoiles à ce restaurant, ouvrir un second restaurant dans un autre pays. Oui, Asha voit les choses en grand. Mais finalement, est-ce si grand que ça quand la cuisine est absolument toute ta vie? Pas d'amis, une famille qui l'a envoyée loin de chez elle il y a des années pour qu'elle en soit là où elle est actuellement, et jamais, au grand jamais, de petite amie. Asha mange, vit et respire cuisine. Être élève à l'excellence viendra-t-il renforcer cette fascination? Ou au contraire, viendra-t-il l'éloigner de son plan sur la décennie? Ensuite, nous avons Mano Bjørn. Mano est originaire du quartier chic de Willow Creek. Ah bah oui, ils sont tous un petit peu fortunés, à part ceux qui ont des bourses évidemment, mais on rappelle quand même que c'est une école très prestigieuse. Donc bon, il y a beaucoup de friqués dans cette histoire. Mano donc est originaire du quartier chic de Willow Creek. Il est né et a grandi là-bas
avec ses deux parents, Rose et Charles Byrne. Oui, oui, vous avez bien entendu, Charles Byrne, le grand chef étoilé, si ce n'est le plus grand chef de sa génération. Aucune pression pour Manon, du coup. Hein. Manon qui, du coup, s'est retrouvé là surtout pour faire plaisir à ses parents, qui voulaient à tout prix qu'il devienne un grand chef comme papa. C'est vrai que le jeune homme a des facilités de par son nom déjà, difficile de refuser un Byrne à l'excellence, même si ses résultats au concours étaient pas terribles, mais aussi énormément de facilité avec la cuisine, les saveurs, les mélanges, puisqu'il baigne dedans depuis qu'il est tout petit. Le vrai problème de Mano, c'est qu'en cuisine, il est très dissipé, il gère mal son temps, il se laisse submerger, ce qui lui a valu de redoubler sa première année. Je vous assure que cet été, l'ambiance était un petit peu tendue lors des repas de famille. Hein. Bon, après Mano n'est pas rentré beaucoup à Willow Creek, il a passé énormément de temps avec Ingrid, sa petite amie, qui elle est passée en deuxième année. Il vit évidemment un petit peu mal que sa copine et toute sa promo soient présents dès deuxième année et qu'il se retrouve encore une fois avec les nouvelles recrues, la viande fraîche de l'institut, surtout que sa petite sœur Daphné entre à l'excellence et bien sûr elle a réussi le concours sans aucun souci. Daphné c'est je pense l'élève qu'on va adorer détester. Une vraie fille à papa, très bourge sur elle, très bourge tout court d'ailleurs, qui adore rappeler à qui veut l'entendre que son père n'est autre que le célèbre Charles Byrne. Elle était très proche de son frère lorsqu'ils étaient enfants, mais depuis l'adolescence c'est plus vraiment ça, encore plus depuis qu'il a foiré son année et qu'elle sait qu'il va se retrouver dans sa promo. Elle a honte de son frère et préférait que personne ne sache qu'ils sont de la même famille, mais bon, évidemment avec un nom comme Byrne, autant vous dire que c'est impossible. Daphné est très intelligente, mais surtout très exigeante, elle semble si froide qu'on se demande parfois si elle a un cœur, hein, ouais. Vraiment, si elle en a un, il appartient à son fiancé, qu'elle mentionne absolument toutes les deux minutes. Si elle n'agite pas son gros diamant sous votre nez, c'est sûrement qu'elle n'est pas dans son assiette. À voir comment l'entente entre Daphné et Mano évolue au cours de l'année donc, mais pour l'instant, c'est mal barré. Ensuite, nous avons Hamza, mon petit Hamza à la Wii, sans aucun doute le petit clown du groupe. Pitre, immature et maladroit, ce combo promet d'être légendaire vu le reste de sa promo. Hamza rêve de devenir le plus grand mixologue de sa génération. Depuis tout petit, il est fan de cuisine et de pâtisserie, mais alors qu'il était encore adolescent, il se découvre une passion pour les boissons qui le conduira à l'excellence, là où son idole dispense des cours de mixologie, le grand Andrew Clint. Le concours s'est bien passé pour Hamza, qui arrive à enlever son costume de pitre avant d'attraper ses ustensiles. Bon, par contre, la maladresse, elle le suit partout. Hein. Et pour finir, Daiho Beasley, fils unique de parents divorcés, Daiho a toujours eu l'impression qu'il devait choisir un parent, une ville, un mode de vie. Avec le temps, il a appris à lier et à souder ces deux cultures et il sait maintenant que c'est ce qui l'a rendu plus fort et lui a permis de réussir le concours à l'excès. En effet, lors de la recette libre, Dao réalisa une recette apprise par sa mère au Mont Komorebi, ce qui le différencia grandement des autres candidats. Arrivé second au concours, Daiho n'est pas un grand fan d'Asha et est bien décidé à lui faire perdre sa place de major de promo, quoi qu'il en coûte. Voilà un peu pour un rapide topo sur les personnages principaux du Let's Play, c'est la première fois que j'ai autant de persos dans une histoire. Du coup, les filles ont envie un petit peu d'aller visiter les jardins, mais moi ce que j'aimerais bien avant c'est qu'elles nouent un petit peu des liens d'amitié. Bah je peux voir que c'est déjà pas mal, elles sont déjà amies. Ah ouais, d'accord, peut-être qu'il faudrait pas qu'on devienne amies directement, il faudrait qu'on devienne copines, ça serait plus logique, mais en tout cas c'est sûr qu'il faut que tu sois proche de personnes assez rapidement, puisque c'est des gens que tu vas avoir tout le temps, tu vas vivre avec eux, tu vas aller à l'école avec eux, genre c'est vraiment H24 7 jours sur 7 quoi. Donc c'est très important de bien s'entendre et de se faire un petit groupe. Évidemment, hein, pour le coup, qu'est-ce qu'elle a ? Commence à brûler. Si Daphné reste encore... Oh ma gauche ! Oh oui, d'accord, j'avais pas vu. En plus, c'est pas du tout son genre d'oublier de mettre de la crème solaire. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, Daphné, elle est un petit peu à part. Des filles. Elle pourrait passer du temps avec son frère qui lui est en train de bosser, mais non, elle préfère être toute seule. En fait, le truc avec Daphné, c'est que elle sait que les gens l'apprécient pas trop et elle a pas envie de leur montrer qu'en fait ils devraient l'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se dit, j'ai rien à prouver, ils m'aiment pas, je m'en fous. Et comme moi je les aime pas non plus, je vais pas essayer de copiner, je reste dans mon coin tranquille. Mais au fond, Daphné, elle mérite d'être connue, vous voyez? De ce côté-ci, on a les garçons qui papotent, qui font connaissance également. Ils sont déjà potes eux aussi. Bah, ça va super vite. J'aurais jamais cru qu'ils seraient amis si rapidement, tout ce qu'ils en sont. Après avoir fait leur petite balade dans les jardins, les filles tombent donc sur les garçons, donc on va aller se présenter très rapidement. Bon, ils se connaissent déjà en soi, puisque voilà, ils font partie du même foyer, hein, vous connaissez, on va illuminer la journée, on va parler un petit peu, parler de préparation de boissons, évidemment. Flora va parler à Daiho, se moquer de la barbe moustache, ça m'étonnerait pas de Flora, honnêtement. Regardez sans Richette à quoi ressemble le jeu. Ça, c'est le jeu sans rien. Ça me choque, non? Donc, sans Richette. Avec Richade. Oh non, c'est une dinguerie. C'est vraiment ouf la différence, hein. Par contre, je pense que Flora et Finlay, ça va bien passer parce que c'est les deux petits clowns, là. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Ah non, attends, c'est de la moquerie. Il faudrait plutôt un truc genre blague. Alors, du coup, amical, non drôle. Humour, pipi caca, raconter une blague grossière. Wilma,
Hamza, ça pourrait bien passer aussi, raconter une histoire délicieuse. Tout le monde rigole, hein, c'est trop mignon, j'aime trop. Par contre, Deo, il va pas du tout apprécier Asha. En effet, Asha a fini première au concours et lui, du coup, seulement deuxième. Donc, il va peut-être lui faire un petit pic, mentir sur la carrière, lancer une rumeur grotesque. Peut-être qu'on fera ça, mais plutôt, qu'est-ce que c'est que cette tâche? Genre, vraiment, il essaie de lui faire croire qu'elle est ridicule, quoi. Mais pas du tout, elle est très bien, Asha, là. Et les autres vont lui dire, mais elle, laisse-la tranquille, elle t'a fait quoi? Bon, en tout cas, les filles sont contentes d'avoir parlé un petit peu garçons, mais là elles vont aller faire un petit tour en ville histoire de connaître un petit peu mieux Tartosa, puisque demain bah, c'est le début des cours, hein, tant qu'à faire, on va en profiter aujourd'hui pour aller visiter la ville. Allez, à plus les garçons, nous on se tire. Elle t'a fait quoi, chat sérieux? Comment tu l'as dégommée du regard? Elle a fini première en coco. En pompe, c'était moi. C'est mon ennemi. Oula, rien que ça? Putain, si je pouvais être deuxième au concours, je serais déjà super content. Même pas moi. J'ai pas fait tout ça pour être numéro 2. Je vais la faire couler. Eh hey, mais t'es méchant toi en fait. Je suis pas méchant. J'ai voulu réussir. Mince. Et tu comptes faire quoi pour ça? Je sais pas, mais je vais trouver. Ouais, bah moi je les trouve super sympas les filles. Alors je vous laisse manigancer entre vous. Je veux pas être mêlé à ça, hein. Ouais, pareil. Ça me met pas trop à l'aise. Come on, viens Hamza. Je te promets, c'est ça la pardon. Nous voici arrivés à l'école de cuisine puisque les filles avaient envie de visiter les lieux avant de commencer tout simplement demain à travailler, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance et puis d'être un petit peu moins stressées aussi, de pas chercher leur classe, etc. demain matin quand elles viennent de se lever, qu'elles viennent de sortir de l'internat, vous avez compris quoi. Et évidemment moi je ne pouvais pas passer un épisode sans vous montrer cette école qui a été créée par l'un ou l'une d'entre vous, l'un d'entre vous il me semble. Alex, si tu passes par ici, évidemment je vais vous montrer tout ça dans la galerie, mais cette école est juste absolument incroyable. J'ai pas les mots, vraiment, c'est tout simplement magnifique. On peut peut-être passer en mode construction, avoir une meilleure luminosité dessus. Elle est vraiment incroyable cette école. Et sachez que j'ai beaucoup hésité avec d'autres écoles et je suis trop contente et trop chanceuse d'avoir une communauté aussi talentueuse et aussi dévouée qui a fait des merveilles. Alors à l'intérieur, on rentre ici, on a le restaurant d'application. On a même un grand bar ici pour s'entraîner à la mixologie. Derrière, juste là, évidemment, on a les cuisines pour le restaurant. Puis juste ici, on a les deux garde-manger. Là, on a le garde-manger un peu frais, si j'ose dire. Et là, tout ce qui est froid. Voilà pour le coin resto d'application. Puis juste ici, on a une porte qui dessert le cours de cuisine. On peut également y rentrer par ici. Je pense que c'est l'entrée officielle des étudiants, celle-ci. Avec le petit hall d'entrée où on a un petit canapé, on peut attendre, etc. Donc là, la grosse salle de classe de cuisine. Juste là, on a des petites toilettes bien pratiques quand t'es en cours de cuisine et que tu peux plus te retenir, tu vas pas très loin comme ça. À l'étage, on a un escalier qui dessert du coup les locker rooms, les petits casiers où on peut enfiler sa tenue de cuisine. De ce côté-là, on a une autre salle de cuisine où on peut bah, travailler, quoi, une salle de classe. On a un grand couloir juste là qui dessert les salles de cours un petit peu plus traditionnelles. On va travailler d'autres choses que la pratique au final. Puis on en a une deuxième juste ici. Là, c'est le bureau du directeur que vous avez pu rencontrer un petit peu. Et puis si on continue dans le couloir, ici on a un petit coin avec des ordi, etc. Un petit coin d'études, si je peux dire ainsi. Et puis juste là, je pense que c'est le petit coin cuisine du staff, parce qu'évidemment il y a des profs en fait, hein, tout simplement. Voilà pour cette école incroyable. Donc on va aller dans la galerie très rapidement. Et quand on est sur le hashtag école Capons, on a des dingueries. J'avais vu aussi celle-ci, le Castello di Colomba. C'est juste magnifique, ça fait bah, un petit château quoi. Au pire, je peux vous les placer quand même, comme ça on les verra un petit peu mieux, parce que ouais, vraiment il y avait des choses trop beaux et ça mérite d'être vu. Donc voilà pour le petit château que je venais de mentionner. Il est juste
juste incroyable, c'est vraiment trop trop beau. C'est vraiment magnifique. Ici on a le petit parking de l'école, c'est trop chou. Du coup là c'est beaucoup plus grand si je dis pas de bêtises. On a une salle pour les étudiants, c'est vraiment sympa ça. On a une salle de cours de mixologie, ça c'est très pratique honnêtement. De quoi faire des machines, très pratique pour laver tous les tabliers. Ici on a une salle d'entraînement de cuisine. Voilà, les salles de classe. Le réfectoire j'imagine. Ouais c'est un petit réfectoire ça, c'est une bonne idée. Ici on a les salles de classe classiques, voilà. La petite salle avec tous les casiers, elle était vraiment incroyable cette école aussi. Hein. J'imagine pas le temps et la dedication pour faire ça, donc merci infiniment. La salle des profs, là je pense, ou une salle d'études tout simplement, ouais, pour les enfants, pour les étudiants, pardon. Franchement, j'ai vraiment beaucoup hésité, vous savez pas le nombre de temps que j'ai passé à tout éplucher en revue. C'est vraiment dur, merci beaucoup Audrey, parce que c'était incroyable, et vraiment, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, c'était trop trop dur de choisir, vraiment. On avait celle-ci aussi de Simpanzi, qui était juste trop trop belle. Enfin, toutes les écoles étaient belles, mais il y en avait vraiment, c'était un autre niveau quoi, et je me disais mais comment vous avez pu créer une dinguerie pareille. C'est trop trop beau, c'est absolument merveilleux. C'est merveilleux avec les petites cours comme ça. J'adore les toits, la pierre, c'est tellement cool. On a des petits casiers là, on monte à l'étage, on a des salles de classe, ici on a une salle de recherche et débat, parfait. Et puis tout en haut on a les salles de classe de cuisine, et puis ici on a le petit restaurant d'application. Ouais, celle de Rachouille aussi était incroyable parce que la cour elle était au milieu de tout l'établissement, j'aimais trop, c'était un établissement en U, et non mais regardez ça, non vraiment vous avez donné le paquet, donc ça me fait vraiment mal au cœur. Mais il fallait en choisir qu'une d'école. Et ah oui, il y a World in Sims aussi, c'était incroyable. Vraiment, elle était incroyable celle-ci. J'aimais trop trop trop. Et au final, j'ai choisi celle d'Alex29, enfin Alex29, qui s'appelle Cooking School. Et qui se marie parfaitement ici, je trouve. Enfin, c'est parfait pour ce décor. Et j'avoue, ce qui m'a fait craquer, c'est la petite estrade là, comme ça. J'aimais trop trop trop. J'ai tout de suite imaginé la scène que vous avez déjà vue du coup dans le machinima d'introduction. Je me suis dit que ça serait parfait de les mettre ici. Et ouais, elle est juste incroyable cette école. Donc merci beaucoup à toi et merci beaucoup à vous tous. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir installer 5 écoles de cuisine. Après on sait pas, peut-être qu'il pourrait y avoir un épisode spécial où ils vont dans une autre école de cuisine pour montrer leur savoir-faire ou je ne sais pas quoi. Et du coup dans ce cas-ci on utiliserait une autre école dans une autre ville. Ça pourrait être très très sympa aussi. Merci en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos participations parce qu'elles sont incroyables. Allez, je pense qu'il est temps d'aller retrouver nos petits étudiants dans leur dortoir. J'espère que le retour au nid vous profite bien, mes petits oisillons. J'ai l'impression malgré tout que ces vacances d'été vous ont bien ramolli. Où sont donc mes potins aussi alléchants que les plats que nous créons ici? Heureusement que Mysterio33 nous a donné quelque chose à nous mettre sous la dent au sujet des premières années. Deo Beasley et Hamza Aloui ont été aperçus en train de fouiller dans les affaires d'Acha Koumari. À croire que certains n'ont pas bien écouté le discours de Monsieur le Directeur. Mais que pouvaient-ils bien chercher dans les affaires de leur toute nouvelle camarade? J'ai hâte d'en savoir plus. Une chose est sûre, on ne s'ennuie jamais à l'excellence. Bonne nuit mes petites colombes, volez vers la réussite et les potins.